Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée à comment improviser sur un morceau de Grokka traditionnel. Et pour ce faire, je vous ai choisi un magnifique morceau qui est le morceau du grand maître Robert Loison. Et ce morceau s'intitule « Andimaman Kale Maye ». Bien. On a souvent l'habitude de dire que la musique Grokka est une musique atonale. Attention, il ne faut pas confondre le mot atonal avec la notion d'atonalisme dans la musique occidentale. Le mot atonal se réfère à la sémantique même de ce mot « a », qui est tout simplement une opposition au mot « tonal ». Atonal, donc opposé à la notion de tonalité. Donc, on dira des musiques contemporaines des compositeurs comme Boulez, Messiaen, Stravinsky, qu'ils opèrent ou Ligeti, qu'ils composent des musiques atonales. Mais nous utiliserons dans le concept guadeloupéen le mot atonal pour dire opposé ou contraire à la tonalité. Et ce mot-là a été couramment utilisé par le maître Gérard Loquel. Bien. Dans le morceau Andimaman Kale Maye, nous avons effectivement cette notion d'atonalisme. Je reprends le thème. Sur mi bémol majeur et ça donne ça. Ou bien mi bémol majeur pentatonique. Mais revenons sur le thème et écoutons-le. Qui m'attire, c'est Do. Et puis, quand nous analysons le morceau, nous réalisons que dans l'improvisation du texte, voilà ce que dit Robert Loison. C'est ton lundi matin, prends l'auto, moi et la pointe, l'arrivée la pointe à pit, en attente bata ouvert, le ouvre bata ouvert, entrer en magasin là, bonjour monsieur, bonjour, etc., etc., etc. Et nous constatons qu'il utilise souvent ce mode-là. Si bémol. Résumons. Nous avons donc la possibilité d'improviser sur mi bémol majeur, do mineur pata, et enfin si bémol. Mmh.
dans cette notion d'atonalisme, de mélanger savamment tout cela. Ça peut donner ça. Sur cette façon d'improviser sur le morceau Robert Loison en dit Maman qu'elle est maillée, nous serons d'accord sur une chose, oui, il est atonal, car il nous permet de voyager dans plusieurs modes, dans plusieurs tonalités, il nous permet une ouverture sur un univers sonore qui n'est pas stable. Au préalable, je vous conseille fortement de travailler les ouvrages que j'ai écrits cette année en 2016, qui vous permettront déjà d'avoir des éléments structurels d'improvisation à travers les morceaux. Ça, c'est une chose très importante. Alors, n'oubliez pas, regardez en bas, vous avez deux liens. Le premier lien, qui est un lien Amazon, qui vous permet tout simplement d'acheter la partition sur le site Amazon, mais aussi, vous regardez le deuxième lien, ouvrez-le, vous y découvrirez un extrait de l'ouvrage. Cet extrait vous permet de voir la partition, vous permet aussi d'entrevoir une partie de l'analyse scientifique, méthodologique et sociologique, évidemment. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous plonger dans la lecture de l'ouvrage de façon à apprendre et comprendre les musiques Grocka. N'oubliez surtout pas une chose extrêmement importante, improviser sur de la musique Grocka, improviser sur de la musique de tambour, c'est aussi vous permettre de comprendre les autres musiques aussi bien de l'Afrique, de l'Ouest, tout comme des États-Unis ou de l'arc entier. Je vous souhaite une bonne lecture, une bonne réflexion et à très bientôt pour une prochaine vidéo.